Bonjour Seb, donc effectivement tu as eu une question très pertinente sur l'usage des terminaux transparents. À quoi ça peut par exemple servir? Donc typiquement là je suis sur une formation comme tu le vois sur Python. Et je peux typiquement la déclencher. Hop. Je vais couper son son parce que ça me dérange pour faire la saisie de vidéo. Hop. Et du coup je peux donc travailler sur ma session tout en regardant la vidéo en fond d'écran. Alors je vais quand même la laisser défiler un petit moment pour montrer que la transparence permet ça. Voilà. Donc la transparence, la vidéo tourne en arrière-plan, j'écoute ce qu'on me dit et je peux travailler donc sur ma session. Alors en l'occurrence, les exercices que j'ai faits étaient ici. Et donc typiquement, pendant que je fais mes exercices ici, hop, je peux prendre une petite valeur comme ceci, bloom, et calculer l'exemple de TVA. L'intérêt de faire ça avec une transparence, c'est de ne pas tout le temps être en train de basculer, mettre en pause, revenir sur le terminal, etc., etc., etc. Donc typiquement, je vais faire le cours 2 sur 2. Donc je change ici évidemment de répertoire pour réaliser ce travail-là. Ici, je ne l'ai pas. Très bien. Hop, je vais donc aller sur jour 2 sur 2. Et je vais l'appeler opérateur.py. Nom de fichier Python que je veux éditer. Hop, je n'ai pas besoin de ce petit menu-là pour l'instant. Donc, code unité fuite, ça pourquoi pas. Donc là, j'attends qu'on m'explique les choses. C'est ce qui est en train de se passer. Alors, qu'est-ce que c'est que le modulo? Qu'est-ce que c'est que, etc. Qu'est-ce que c'est qu'une saisie et ainsi de suite. Donc ici, j'enregistre mon fichier, bien entendu. Dans mon répertoire de travail, jour 0, cours de session 2 sur 2, j'ai donc à présent mon fichier qui est ici. Je fais un GitAdd pour avoir tout. Je regarde ce que j'ai concrètement comme modification. Donc j'ai le swap parce que mon fichier est toujours ouvert. Ça ne me dérange absolument pas qu'il soit dans mon archive. Je l'éliminerai quand la session jour 0 sera terminée. Je commit donc la session jour 0, session 2 sur 2, premier commit, histoire d'enregistrer le tout bien entendu. Et comme je sais que c'est quelque chose que je veux garder sur mon dépôt distant aussi pour pouvoir revenir sur ce cours et présenter à mon tour ce cours-là aux copains, je push, tout simplement. Donc Git, j'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos, hein. Et bien entendu, Tmux également avec les raccourcis clavier qui permettent de basculer plein de sessions dans tous les sens. Comme ça, re comme ça, de les décaler, de les agrandir, de les réduire. Ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc, s'y reporter. Donc, non, la transparence n'est pas qu'un gadget purement esthétique. Il a aussi une réelle utilité concrète pour faire ce genre de choses. Donc, tu voulais un exemple de ce qu'on peut en faire concrètement. Typiquement, dans un cas comme celui-ci, si on veut avoir un document en fond d'écran et travailler sur un terminal transparent en avant-plan, en premier plan si tu préfères, c'est l'usage principal de la transparence d'un terminal Linux. Voilà, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. À bientôt!